soir. Hein. Okay. Non mais c'est quoi ce truc là? C'est bizarre. Venez voir un peu là. On t'a demandé d'aller chercher un sac de sable, pas de faire des pâtés de sable. Mais c'est pas un pâté, c'est une stalagmite. Comment une stalagmite ça peut se former ici? Attendez, si on arrive à trouver et à contrôler les paramètres de la formation de la stalagmite, on pourrait faire la plus belle stalagmite du monde et participer à la Stalagmite Academy. Ou danser avec ta stalagmite. Ouais, ou top stalagmite. Mais c'est bon, pas la peine d'en rajouter. Pour comprendre la stalagmite, on va avoir besoin de ressources. Allô Clément, on va avoir besoin de sable. Beaucoup de sable et un peu d'eau. Bon, commençons par le début. On a vu que la stalagmite consomme de l'eau et du sable. Oh regardez, on voit que l'eau est attirée par la stalagmite. C'est donc que la stalagmite consomme de l'eau. Eh bien oui, c'est normal. Elle monte par capillarité dans la stalagmite. C'est comme si les grains agissaient comme un ensemble de tubes capillaires. D'accord, mais ça n'explique pas pourquoi les grains tiennent entre eux. Mais ça, c'est la force de tension superficielle. Regarde, une mince couche d'eau entre ces deux récipients permet de les maintenir entre eux. Il se passe la même chose entre les grains de sable. La question qui se pose maintenant est de savoir quels paramètres rentrent en compte dans la formation de la stalagmite pour pouvoir obtenir la plus grande possible. Mais c'est pas un tube capillaire. Bon, faisons le tour des paramètres. Par exemple, si on faisait varier un petit peu la hauteur de chute des grains de sable, par exemple, ça changerait quoi? Ok, je m'y colle. Non mais, pas si haut! Reviens en Lyon, j'ai les mêmes à la maison! Bah, on voit rien de bien différent. On dirait que la hauteur de chute n'influence pas la formation des stalagmites. Ok, c'est bon pour la hauteur de chute. Mais du coup, le débit, il a une influence? Eh bien oui, si on augmente le débit, la vitesse de croissance de la stalagmite augmente. Mais au-delà d'un certain débit, la vitesse de croissance n'augmente plus. Il est possible que l'eau n'arrive pas à monter assez rapidement par capillarité. Attends, je demande confirmation. Oui, je confirme. En fait, en réalisant cette expérience, j'ai pu mesurer la vitesse à laquelle l'eau est capable de monter par capillarité dans une colonne de sable. Elle monte rapidement au début, puis plus lentement, à cause de la force de gravité qui augmente avec la masse d'eau absorbée. Toujours est-il que si on compare la vitesse de montée d'eau à la vitesse de croissance de la stalagmite, avec le débit de sable que vous devriez avoir, on se rend bien compte que c'est la montée de l'eau qui limite la vitesse de croissance de la stalagmite. Bon, ok, il faut donc adapter le débit du sable à la vitesse de montée de l'eau par capillarité pour que le sable s'accroche. Bah oui, sinon notre labo va se transformer en véritable plage. Et là, vous me dites que vous pouvez faire varier le taux d'humidité à la base de la stalagmite? Eh bien oui, grâce à ce dispositif, on peut contrôler parfaitement la quantité d'eau à la base de la stalagmite. Il suffit juste de monter ou de descendre ce récipient. Astucieux. N'est-ce pas? Et on s'est rendu compte que pour avoir une stalagmite de plus grande taille, il faut que la base ne soit pas trop humide. Eh bien justement, en parlant d'humidité, quelle est l'humidité optimale pour avoir une belle stalagmite? Ah bah là, on a fait intervenir nos meilleurs ingénieurs pour le savoir. Et il s'avère qu'un taux d'humidité de 15% serait l'idéal pour assurer une cohésion maximale entre les grains. Et c'est ce que vous avez dans les stalagmites? Eh bien figurez-vous que non, pas si on ne contrôle pas l'humidité à la base. En effet, on a pu faire monter des stalagmites et on les a coupées en tranches, comme ceci. On a pu ensuite peser ces tranches humides puis sèches pour en déterminer le taux d'humidité en fonction de la hauteur. Et figurez-vous qu'on a trouvé un taux d'humidité de l'ordre de 20%. Avec un taux d'humidité qui est le plus haut à la base. C'est pour ça qu'elle se casse toujours en bas. Mais c'est trop cool! Ah non, c'est génial! Attendez, juste une remarque. Figurez-vous qu'en fait, tous ces résultats dépendent de la taille des grains. Vous voyez, nous avons trié le sable en trois tailles différentes. Prenons par exemple, disons, les petits grains. Nous avons mesuré la vitesse à laquelle l'eau monte dans les petits grains. Rien à voir avec le sable trié. L'eau monte doucement, mais sûrement. Cela signifie qu'on obtient des stalagmites plus grandes avec des petits grains qu'avec du sable non trié? Eh bien, figurez-vous que non. Et vous voulez savoir pourquoi? Dites-moi tout. Eh bien, vous n'avez qu'à lire ce document. Et si cela vous intéresse, rendez-vous au musée de l'air et de l'espace du Bourget pour en discuter de vive voix. Bon, en attendant, rangez-moi tout le sable. La récré est finie. Maintenant, la plage, c'est pas ici.